très heureux de vous voir. Je veux que ce soit très important parce que nous avons... Bon, après la visite, à la fin de la visite, on pourrait parler. Nous aurons déjà... Mr. On behalf of the people of Nigeria, on behalf of our government, and on behalf of myself. Je voudrais saisir cette occasion, Excellence, pour vous accueillir au Nigeria. Du département politique suisse. Je vous remercie très vivement d'avoir reçu. Je sais que vous avez retardé votre départ. Bon, ben, ça va. Je vais m'en prendre pour vous démontrer. C'est le commandant qui est ici avec le Vietnam. Et vous savez pourquoi Pont de l'Enfance? Vous savez pourquoi on l'appelle Pont de l'Enfance? Ce n'est pas à cause de l'année internationale de l'enfant. C'est parce que ce pont sera à péage et les péages profiteront exclusivement aux œuvres en faveur des enfants. Je crois que c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Pour que ça produise, il faut au minimum un quart de siècle. Au minimum 25 ans. Mais ça dure après un peu plus longtemps que... Et dans cette politique de reboisement, vous ne reboisez pas qu'avec des eucalyptus? Non, non, avec des cacias. Qui poussent plus vite, là. Oui, il faut qu'un. Plus rentable au point de vue bois. D'abord, la production rapide. Voilà, c'est ça. Thank you.
Nous pensons que ce voyage, le premier qu'un conseiller fédéral ait fait en Afrique noire, doit permettre le renforcement de ces bonnes relations qui existent déjà entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. Et permettre à la coopération ivoiro-suisse, qui est une réalité et qui se renforce au fil des années, de poursuivre ce développement dans l'intérêt bien compris de nos deux pays. La Suisse sera alors un nouveau partenaire à part entière. Bien sûr. Je ne vous dirais pas privilégié, mais la Suisse a sa place, non pas seulement dans notre cœur, mais aussi dans notre raison.